La forêt domaniale de Montmorency, essentiellement constituée de châtaigniers, s'étend sur 1970 hectares, à 20 km au nord de Paris. Elle est gérée par l'Office national des forêts. Touchée par la maladie de l'encre qui affecte ses peuplements de châtaigniers, ce massif est classé en crise sanitaire depuis 2018. Aujourd'hui, plus de 500 hectares sont atteints par cette maladie. Face à cette problématique accélérée par le réchauffement climatique, l'ONF mène des actions pour assurer le renouvellement de la forêt. En l'absence de traitement, les châtaigniers malades sont coupés, provoquant alors de vastes trouées dans la forêt. Suite à ces coupes, l'ONF réalise des plantations de jeunes arbres d'essence tolérante aux pathogènes et mieux adaptés au sol et au climat. Devant l'ampleur des besoins de plantation, des mécènes, émus par le changement climatique, se mobilisent et apportent leur soutien financier à l'ONF. Grâce au Lions Club International et à l'Association nationale des participants aux opérations extérieures, l'ANOPEX, 2200 arbres sont plantés cet hiver sur la parcelle 235 de la forêt de Montmorency, en mémoire des militaires français morts en opérations extérieures et intérieures. Cette action mémorielle et engagée s'inscrit dans la continuité des actions en faveur de l'environnement. Les membres du Lions Club continuent à se mobiliser pour réaliser des projets bénéfiques à la nature et aux hommes. C'est un magnifique projet avec une symbolique très forte. Les arbres de cette forêt ont souffert, ont été malades, ils avaient besoin d'être remplacés et j'avoue que un arbre est important. Il est important pour la planète, il est important pour l'air que nous respirons et la forêt est un poumon formidable qui protège les humains. Nos soldats, nos armées engagées dans des opérations difficiles sont aussi là pour protéger la France, pour assurer la sécurité du pays et protéger chaque Français. Il est important pour l'Association nationale des participants aux opérations extérieures, l'ANOPEX, de participer à cette opération de reboisement de cette parcelle dans la forêt de Montmorency, avec ce lien très fort de ces arbres qui poussent, qui vont vivre pendant des années. L'environnement est un des 17 objectifs du développement durable défendu par le Conseil des gouverneurs cette année. Cette plantation en forêt de Montmorency de 2200 arbres en est tout à fait le symbole. Je trouve que cette symbolique permet aussi d'enraciner les arbres, mais d'enraciner aussi la mémoire dans notre société et notre mémoire collective. Ensemble, unissons-nous pour léguer aux générations futures des forêts en bonne santé et résilientes au changement climatique.